Inaugurated the new Palais de Festivals. Je dois dire que j'ai compris rapidement, peut-être même avant l'archiviste, le pouvoir réel de votre fameux palais. Entre les murs de ce bâtiment, dont le style avait dû vous sembler bien futuriste à l'époque, se rassemblaient au fil des ans les meilleurs d'entre vous. Tout ce que le monde comptait alors comme créateur, innovateur, décideur, dans tous les domaines de l'art, de l'économie et de la politique. Installé au Palais des Congrès de Cannes, Tax Free, c'est un énorme marché international au cours duquel se brasse plusieurs... Toutes les grandes marques sont présentes à Cannes. 464 exposants au total. Tous les objets de luxe que vous allez découvrir, vous les trouverez bien sûr dans les boutiques ou les grands magasins. Ce commerce est en pleine expansion. Le chiffre d'affaires a doublé en 4 ans. Il représente maintenant... Primidem a été fondé en 1963. Et puis, nous sommes des organisateurs des salons internationaux pour les professionnels dans deux domaines. Le domaine de entertainment ainsi que immobilier. Nous organisons 5 salons ici à Cannes et puis un 6e à Hong Kong. Chaque année, nous attirons à peu près 70 000 clients en provenance de 130 pays. Lorsque nous avons inauguré le MIPIM en 1990, il n'y avait pas vraiment une industrie immobilière à l'international. Et on voit bien que... Les investisseurs, les développeurs, les pays, les collectivités, ils ont vraiment besoin de se réunir pour faire les affaires, pour promouvoir, pour encourager les investissements au niveau international. Il n'y a jamais eu autant de richesses qu'à l'heure actuelle. C'est sur ce constat que Serge Dives présentait ce matin la prochaine édition du marché international du voyage de luxe. Il y a de plus en plus de milliardaires, il y a 500 milliardaires aujourd'hui, il y en avait 40 en 82. Il y a 26 millions de personnes qui ont plus de 1 million de dollars d'argent à investir, il y en aura 40 millions dans les 3 prochaines années, donc on a affaire déjà à un marché qui est en pleine expansion. Si le tourisme de luxe est le privilège d'une poignée de millionnaires, il reste une activité très porteuse. 3% des voyageurs aisés représentent en effet 20% des dépenses mondiales dans le voyage. Une clientèle riche en mal de sensations à qui il faut vendre des voyages dans l'espace ou des expéditions en Antarctique. La crise mondiale semble avoir épargné le tourisme de luxe. Baby, come on again.